Il y a le CDO là. Ah, t'es le flash. Le wall qui permet de temporiser. C'est la mort quand même de... Ah, ok. Bizarre ce bon flash stun pour Ozayo. Flash out de Cross Hero. Clairement, c'est Giovanni et Maokai qui se... ignore complètement les coups de tourelle en fait, hein. C'est affreux. Attends, ça se dirige vers le baron là. Le baron. Un baron très ouais, très early. Très early, mais ça peut le faire. Mais ça ils va ont faire, les PV pour moi, c'est bon la voir. Courant. Ils ont les dégâts. Hong Kong qui va peut-être venir check ça. Hong Kong il check même pas le baron. Je comprends pas, il y a personne qui vient check le baron. Ça pêche plus. Allez, gratter cette tourelle mine. C'est le match en fait, je dirais. Pas 4 secondes. Peut-être une tour qui pourrait être prise. Anubis qui est très excentré par rapport au reste de sa team. On voit que toute la team est Sadero et au mid et qu'Anubis est en bot, ça y est, il a capté, il revient, il remonte. Engage les SDO, faut pas engage maintenant. Ouh, ce qu'a Gold en retard. Ça va être très compliqué ce fight. Duo qui a voulu fight, mais bon, il y avait personne derrière. On peut pas engage, ça c'était une erreur de la part de Sinaraz d'après moi. On peut pas engage là, une équipe qui a autant d'avance qu'à en plus le Nashor. Non, ça offre en plus le Drake. Exactement, le Drake qui va revenir en 30 secondes, c'est potentiellement même deux tours qui vont être pris par les. Ah, par deux les tours, aussi. Ouais, deux tours, ouais. Ils prennent la deuxième, ils prennent la même la T3, non? Non, ils n'auront pas là, non. Ah, c'est les dives de Fouzaï aussi. Et bah si, ils veulent le faire. Ah là là, ouais, là, là. Et Anubis qui go in, c'était ce go in de Anubis, désespéré. La T3, il inhibe. Ah, c'est la T3, il inhibe, hein, c'est... Ah, c'est le raw dive. Cette frontline, c'est Juku, enfin, Maokai, là. Permettre de tanker complètement les tourelles. Et c'est reparti pour un tour. Et c'est reparti pour un tour, ça va enchaîner comme ça. C'est potentiellement la fin de la game. Si les LCDO continuent à se faire catch comme ça... Ils sont bêtes, les LCDO, là. Pourquoi ils y vont un par un? Si les LCDO continuent à se faire catch comme ça, il faut qu'ils attendent d'être ensemble, d'être en team pour go in. Mais encore une fois, le Nashor... Et c'est reparti. Oh là là. Il dive complètement. Regardez Kuozayo. Il va mourir. Il peut pas tenir autant. Allez, il part. Il va s'en aller. Oh, la belle ultime de King Kong. Le dash out sur le Kuozayo sur Cancero. Et par contre, c'est la mort. C'est le Drake. Bon. Eh ben, on était parti sur une tourelle à la base. Et au final, bah, c'est 4 tourelles et un inhib qui partent. Et une tourelle Nexus. Ouais, c'est ça. Le Drake qui va être pris là sans être contesté. Et c'est l'autre qui ne peut pas du tout contester. Kong et Chaos Stalker. Une petite danse dans la base. Ah, c'est une game qui est très très compliquée pour les CDO. Bah là, il y a un gros écart. Presque 20k gold. Au début, ils ont pris des kills, c'était serré tout ça, ils auraient dû jouer sur les objectifs. Ils ont pas joué sur les objectifs, ils ont essayé de prendre des kills et du coup... Prendre des kills, voilà, c'est ça. Ouais. Ils auraient dû jouer beaucoup plus safe, ouais. Je pense que ça serait passé mieux. Ils auraient pu même remonter et la gagner. Parce que là derrière, comme tu vois, ils ont aucun objectif. Ils ont zéro objectif. Regarde, ils chase. Ils jouent safe. Ils essayent de récupérer des kills. Ouais, mais en fait, c'est ça même quand ils avaient l'avantage, c'est ça le problème. Les arcs étaient tirés pas mal sur sa partie, mais qui avait une botlane compliquée contre Anubis, et maintenant qui est légendaire avec 9-1-6. Ah oui, quand même. Et Exy qui prend des kills en 1v1 régulièrement, et qui récupère des kills au fur et à mesure, c'est simplement gratter des kills comme ça au fur et à mesure de la partie, qui permet derrière ensuite d'avoir d'énormes dégâts. Oh, c'est... Ouf, voilà, non, c'est la fin là, c'est terminé. C'est terminé pour les LCDO. Jamais dire que c'est terminé. Ils veulent les mettre au fond quand même, Il y a 24, ils veulent faire 19 tomber les 3 inhibs.
Et LCDO qui essaie de se défendre tant bien que mal comme ils peuvent, mais ils se regroupent pas là, enfin, ils peuvent pas se regrouper en fait, même s'ils voulaient se regrouper. Le Tariq est quasiment mort sur les... Ils ont pas les dégâts suffisants pour dépush les sbires. Et encore une fois, c'est Giovanni et Maokai qui peuvent aller sous tour quand ils veulent, c'est n'importe quoi. Beaucoup trop tanky. Allez, on sait qu'ils vont finir cette game. Atasiki en direct du reportage, vous écoutez les commentateurs? Yes, oui. C'est la vie pour Orbital Colossus. Je suis en train de pleurer. Les CDRO donc n'ont pas passé. Toutes les équipes de la CDRO n'ont pas passé donc les premières phases du tournoi. Je suis totalement triste, j'ai envie de pleurer. Mais ce que je retiens, c'est que les CDO sont bien défendus. Voilà. Bravo à vous les CDO, je vous aime. Bravo à vous. Bon, et Anubis a eu un excellent early. La botlane King Kong, il y a eu des très belles ultimes de la part de King Kong et, des beaux dégâts d'Anubis. Hein. Ils ont pas eu de chance aussi, ils sont tombés pas contre les équipes que j'aurais voulu. Et... Il y a aussi le pic absurde du Tariq top qui part AD en plus, c'est complètement absurde. Rien que ça déjà, pour moi c'est compliqué d'avancer dans une game en équipe, etc. Avec ce genre de pic. Okay, oh là le blanc, 8... oh là le blanc. 14-07, 24644 points de dégâts. Ah voilà, c'est ça. Quand on voit les damage de l'équipe en... Même le support a fait 15447 dégâts. C'est compliqué, ils ont pris des fights, les prises de fight étaient particulières. Et on a dégâts. Kuo Zayo qui est censé être tanky, qui fait plus de dégâts que le carry AD quoi, c'est... 9k dégâts. Très très compliqué cette game pour les LCD. Bon, bien joué pour aux deux équipes. Hein. Alors... Moi, je dirais de ramener chaque capitaine de chaque équipe. C'est vrai. Pour faire un petit débrief. Hein. Je voulais te couper direct parce que je suis comme ça. Je suis méchant avec les commentateurs. En plus, je suis sur le terrain, moi, tu vois. je suis dans les bushs actuellement. Je suis en train de regarder Anivia. Attends, Anivia, arrête de me jeter un peu de froid là. Attends, excuse-moi. Je suis en direct des bushs pour vous expliquer tout simplement que le stream continuera à se faire sur le stream de Cromwell76. C'est pas parce que la team SCDO, toutes les teams SCDO ont perdu que ça veut dire que les SCDO vont arrêter de stream, etc. On continuera les streams sur la même chaîne, etc. Et potentiellement avec les mêmes commentateurs. Et ben voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et sur ce, j'ai un peu froid. Excusez-moi, il y a Nivea qui me titille un peu. À toutes. Je vais te ramener Brand alors, il n'y a pas de souci. Donc moi j'ai juste un mot pour l'arbre. Alors nous avons la demi-finale Lemon Pies contre OC Krusty Bat et Arcanisport contre la Shockwave. Exactement. Des matchs fort intéressants. J'ai hâte de voir les demi-finales. Sachant que la Lemon Pies et l'Arcanisport et les Lemon Pies sont très 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 bons. J'ai très envie. Ils ont une... surtout la Arcane Esport qui sont vraiment un diamant, non ? Ils ont un diamant, oui. L'Arcane Esport ont un diamant et les Lemon Pies aussi, je crois. Et ils sont sinon le reste est pas. Non, Arcane Esport non. Non, ils ont des gold, il y a la compensation. Je vais te dire ça tout de suite parce que j'ai fait une fiche. En tout cas, sur le stream, n'hésitez pas à follower, hein. Ça fait toujours plaisir. Sur la chaîne Twitch. Non. ça fera plaisir à tous les commentateurs. En parlant de ça, je suis en direct, j'ai un peu chaud, Brand est à côté de moi. Salut Brand, oui, d'accord. Brûle pas trop mes pieds, merci. Alors en fait, je suis en direct des bushs, toujours, hein, toujours caché dans les bushs. Je suis en train de regarder le chat, et apparemment, c'est tout le monde s'aime. C'est GG aux deux équipes pour l'ensemble des personnes, à la fois LCDO Orbital ou autres personnes qui regardent le stream. Merci de votre
de votre fair play et tout ce que vous faites. C'est vraiment sympa. Vu ce que je vois, ça me fait chaud au cœur. Je vois des GG dans tous les sens et bravo. Et sur ce, je vais aller boire une bière avec, avec Brand. Hein. Allez, Brand. Allez, à toutes. À toutes, Tatasika. Alors, concernant les demi-finales, Arcani Sport, ils ont 4 plates et 1 gold et avec un ancien diamant. Et la Lemon Pies, ils ont 1 plate, 3 gold et 1 silver, mais ils sont pas mauvais du tout. Ouais, j'ai vu ça, la game s'est fait très très rapidement. L'arbre a été défini très très rapidement au niveau de la Lemon Pie contre Infinity. Il faut savoir qu'Infinity, c'est 1 bronze, 3 silver avec 1 gold. Les bronzes étaient autorisés dans les sur le. Alors, il était gold en S4. Ah d'accord. Ouh, la descente aux enfers. Effectivement. D'accord. Emeraude, pourrais-tu nous ramener, je pense, Anubis. Ah bah qui est parti. Ah. Ah, nous n'aurons pas l'opinion d'Anubis. Et ils ont dû partir la tête haute. Tu veux que je te ramène que Wasayo? À la rigueur. Toute la line-up. Ouais. Et au niveau de la line-up des LCDO, ils sont tous partis en fait, c'est ça hein. Bah, je pense, puisque je ne les vois plus. Ils sont partis du TS en fait tout à l'heure déjà. D'accord. Bon, bah, c'est dommage pour eux. Oui, nous allons passer. On va quand même leur dire un gros GG. Merci d'avoir participé. Oui. En direct du bush d'ailleurs. Je suis toujours en direct du bush, vous m'entendez les commentateurs? On t'entend. Oui, d'accord, je suis actuellement avec Jinx. D'ailleurs, arrête de me caresser s'il te plaît. Excusez-moi, non mais j'ai plus rien, c'est que j'ai beaucoup de héros qui sont à côté de moi. C'est la folie dans les studios là, je sais pas ce qui se passe. Alors, pour vous expliquer, c'est que les SCDO, pour la plupart, ont attendu la dernière match et vont tous se coucher, donc se sont tous déconnectés. D'accord. On peut aller voir à la rigueur King Kong qui s'est mis dans l'accueil pour pouvoir parler si possible. Voilà, salut King Kong et salut Kuo. Voilà, on a deux personnes qui peuvent être là. Sur ce, je vais continuer à me faire caresser par Jinx et je vous dis à tout à l'heure. Ouais, hein, en direct des punch. Nous t'enverrons Gragas, ne t'inquiète pas. Pas trop de bêtises quand même. Hein. Ouais, coucou. Faut qu'elle soit OP pour les gars. Salut King Kong. Salut King Kong, salut Kuo. Dites-nous un peu vos impressions de game, ce qui s'est passé, ce que vous avez regretté. Un par un. Oui, pas tous les deux en même temps parce que sinon on s'entendrait plus. Alors moi d'abord. Moi d'abord. J'étais très déçu que Crow n'a pas pris. D'accord. D'accord. Je pense que le retour n'arrive pas. Attendez. On m'a dit que c'était un problème technique. Ouais, j'étais déçu que Krone ne prenne pas sa Cassiopeia là. Parce que sinon on aurait fait des trucs dans le bush. Ça aurait été magnifique. Mais bon. On a eu des trucs très coquins entre Tariq et Gragas dans la base. Ouais. Au niveau de la T3, mais normalement il y avait Tariq, moi et Cassio, mais il n'y a pas eu de Cassio. Je crois que Papa Dragon veut venir, je crois, je suis pas sûr, parce qu'il s'est connecté. Donc Atasika, tu peux nous dire, toi reporter sur place, ce qu'il veut. En direct des bushs, s'il vous plaît. Arrête Gragas, arrête, je suis en direct, arrête. En direct des bushs, s'il vous plaît. Gragas, passe-moi une bière, s'il vous plaît. Oui, en direct des bushs. Je disais donc, oui, peut-être que Papa Dragon a peut-être donné son avis sur la question. Je suis toujours là dans les bushs, en mode invisible. De plus en plus de héros arrivent dans les bushs pour me faire des choses. Je commence à plus trop supporter ça. Donc voilà, je vais aller les calmer. Et sur ce, la foule est en délire. À toutes, hein, à toutes. À tout à l'heure, Tassika. Donc Papa Dragon qui voulait nous parler, non. Nous te laissons la parole, Papa Dragon. Eh bien, c'était un match très serré, on a joué contre qui déjà? Arcane Sport. C'était les deux parties étaient quand même pas mal serrées. Franchement, ça s'est joué juste sur une action quoi. Au début, pour les deux matchs, ça s'est passé de la même façon. Au début, on dominait et puis après, je sais pas. Alors, un team fight a suffi pour qu'ils reviennent, quoi. Mais... Non, mais c'est parce que ça avait pas de Tariq top. C'est genre, la deuxième game, genre, on a fait tous un rush à leur Nexus. Ah ouais. Et genre, le Nexus, il restait plus que 100 HP, quoi.
En HP et au final fini et puis ouais. Ouais, c'était pas mal. Et vous, Kuo, on vous a pas trop entendu. Maintenant que vous...